partageons une galette des rois le 6 janvier. Qui aura la chance de trouver la fève sera élu reine ou roi. C'est pour qui ? Ma sœur. Voici les ingrédients pour une galette de 6 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web cookingwithmorgan.com. Pour réaliser les pâtes feuilletées, vous pouvez regarder ma vidéo. Je prépare la crème pâtissière. Je fais chauffer le lait à feu doux. Pendant ce temps, dans un grand récipient, je mets l'œuf, le sucre, je les fouette. J'ajoute la farine et je mélange bien. Le lait commence à bouillir, je coupe le feu. Je le verse dans le récipient tout en mélangeant. Je reverse le tout dans la casserole. Je le cuis pendant environ 1 à 1 minute 30 à feu doux tout en remuant. Je verse la crème dans le film alimentaire. Je l'enveloppe et je laisse reposer pendant 1 heure. Maintenant, je prépare la crème d'amande. Je blanchis 2 jaunes d'œufs avec le sucre. J'incorpore le beurre fondu. J'ajoute la poudre d'amande. Puis le rhum. Je mets la crème pâtissière dans un autre récipient. Je la fouette et je l'ajoute à la crème d'amande. Je mélange et ma frangipane est prête. Je la mets dans une poche à douille. Le mélange d'un jaune d'œuf et une cuillère à soupe d'eau servira de dorure. J'ai déposé ma première pâte feuilletée sur la plaque du four. J'en peins le bord avec la dorure. J'y répartis la frangipane. Je cache une fève dans la crème. Je mets par-dessus ma deuxième pâte feuilletée. J'appuie bien sur le contour pour enfermer la frangipane. Pour bien fermer la galette, je donne des petits coups de couteau sur le pourtour dans un sens, puis dans l'autre comme ceci. Je mets une couche de dorure sur toute la surface. Je mets la galette dans le réfrigérateur pendant 30 minutes. Je préchauffe le four à 180 degrés. Je remets une couche de dorure. Je décore ma galette avec la pointe d'un couteau. Je fais quelques petits trous sur le bord de la galette. Je l'enfourne pendant 45 minutes. Pour la rendre brillante et la garder croustillante, je badigeonne une fine couche de sirop d'érable. C'est pour qui ? Moi.